le numéro 15 sur le ring des femelles. Il s'agit de Walk the Walk. Oh là 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 là, Walk in the Park. Oh là là, Walk in the Park qui a été acquis l'année dernière pour la somme de 1 million d'euros pour faire la monte à Coolmore, exactement à Grandstud. N'est-ce pas? On va marcher. C'est pas mal? Bon, alors on va marcher quand même. Alors, une pouliche très imposante, mais le 19 mars, Walk the Walk. Il avait été le Arad Fedo dans la région de Toulousaine pour aller à la saillie de Walk the Walk chez Mathieu Laguzan-Garros. Donc, c'est donc une pure sang de la famille de Narringe. À Narringe, ça remonte un peu, mais quand même, il a gagné le NSI à Auteuil. C'est des chevaux qu'on se rappelle bien dans les années 80-90. Allez, on va. On va passer au mâle. Allez, c'est parti avec les mâles. Il s'agit de du numéro 36, Brin d'Argent, fils de Cocorico, qui nous est présenté par Joël Denis. Il est né quand? Il est né le 22 mars 2015, bien sûr. Cocorico, donc jeune étalon par Robin Deschamps, et la mère par Mansonien. Mansonien et Royal Itaparica. C'est donc une souche qui est passée sur les féries du père Gallo, Gilbert Gallo en Normandie. Et qui a fait quoi? Qui est une fille de Girl Vamp, lauréate précoce donc du prix Wild Monarch. Autre, tiens, autre Joël, s'il te plaît. Voilà. Girl Vamp a gagné le Wild Monarch et elle a fait Royal Predica, un fils de Tip Moss, placé de Liston en Angleterre. Et donc on a refait le croisement puisque Tip Moss étant le père de Mansonien, c'est en allant chercher le fils de Tip Moss Mansonien qu'on a donné naissance à Royal Itaparica, la mère.